Re-salut, chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de Elon Musk et de son acquisition de Twitter. Et quels sont les avantages et les inconvénients? Qu'est-ce qu'il prétend préparer pour un futur lointain ou proche? Ceux qui resteront dans cette vidéo jusqu'à la fin, vous serez informés. Est-ce que je me sens déjà fatigué, hein? Mais parce que dans ce groupe, hein, nous étions dans ce groupe, c'est mon groupe Telegram, je ressens de cette vidéo. Si tu n'es pas encore dans ce groupe Telegram, va dans ce groupe Telegram. C'est un groupe très actif où nous parlons de beaucoup de choses. Et sans plus tarder, regardez ici. Ceux qui me suivent savent, je ne vais pas encore parler d'eux. J'ai parlé ici, le secret pour profiter de Elon Musk. Dans cette vidéo, j'ai expliqué certaines stratégies pour profiter des milliards ou des millions d'Elon Musk. Si tu veux profiter, bien sûr. Après, il est arrivé que Elon Musk a acheté les actions de Twitter. Et dans cette vidéo, j'ai dit ce que tu dois savoir, et Elon Musk et Twitter, ce que tu dois savoir. Et j'ai dit dans cette vidéo, il y a ça 2 semaines, de gré ou de force, Elon Musk va acheter Twitter. De gré ou de force. Quand vous étudiez la personnalité de ce monsieur, il y a plus de doute. Et après, dans cette vidéo, j'ai dit pourquoi il a choisi le Dogecoin. Et les gens ont demandé une vidéo et 10 jours après, il y a juste là 10 jours au moment où je fais cette vidéo. J'ai refait une vidéo. Les décisions de Elon Musk ont toujours une conséquence. Et dans cette vidéo, j'ai expliqué le pas suivant de Elon Musk. Et je vous disais depuis qu'il va arriver à bien sûr acheter Twitter de gré ou de force. Et aujourd'hui, tout à l'heure, aujourd'hui, il y a soir 3, j'ai fait une vidéo sur un projet très intéressant que je vous conseillerais de regarder. C'est une vidéo. Regardez. Et vous allez voir dans les années à venir, vous n'allez pas regretter. Ce n'est pas un conseil d'investissement. J'ai fait des vidéos aussi sur le Dogecoin, où voilà, les crypto-monnaies qui peuvent toutefois nous surprendre ici. Les gens ont négligé. J'ai fait des vidéos sur, voilà, et les crypto-monnaies à ne pas louper. Les gens ont négligé aujourd'hui. Voilà. Je continue de faire les vidéos pour ceux qui veulent suivre. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi rapidement. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, tout à l'heure, nous venons de remarquer que Elon Musk a acheté Twitter. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Et acheté Twitter. Voilà. À 44 billions de dollars. Bon. Il s'est retiré de l'administration de Twitter au début, quand il était actionnaire, quand il avait acheté beaucoup d'actions. C'est sa stratégie. Qu'est-ce qui se passe? Ce que les gens n'ont pas encore compris le stratagème. Si ce monsieur est milliardaire, ce n'est pas parce qu'il a un beau visage. Non, non, non. C'est parce qu'il semble être plus malin que nous. Et je disais dans mes vidéos, si réellement Twitter, le moteur, je sais pas, le réseau social Twitter, dans cette vidéo, si le moteur de recherche Twitter lui rapporte assez d'argent, il va acheter Twitter. Et il a fait. Donc ça prouve que il a son avantage dans Twitter. Il dit qu'il va remoduler Twitter. Ne soyez pas surpris. Très bientôt, si vous voyez le nom Twitter changer de T, changer de quoi, bon, il y a déjà des propositions qui courent de gauche à droite. Mais ce que vous devez savoir, c'est que qu'est-ce que ce monsieur prépare encore? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qu'il prépare? D'abord, il commence par tweeter, il dit, hein, ses détracteurs. Il a commencé par parler de ses détracteurs. Et en parlant aussi d'une liberté d'expression. Il va montrer à certains qui se croient riches qu'il est plus riche. Ça, il n'y a rien à faire. Il est en train de le prouver. Il y a certains qui se disent riches en crypto, mais réellement, Elon Musk aussi rentre dans le jeu pour leur montrer que moi, je suis plus riche que vous. C'est l'ego des riches qui va se jouer sur Twitter. Qu'est-ce que Elon Musk peut faire? Vous voyez plusieurs personnes que nous suivons sur Twitter. Elon Musk va essayer de ralentir la façon dont les gens les suivent sur Twitter. Elon Musk va mettre un peu, voilà, il va mettre un peu des freins sur certaines personnes que lui-même il a déjà ciblées, que je ne vais pas cibler dans cette vidéo. Je suppose qu'on est ces personnes-là. Et ces personnes-là savent déjà ce qu'ils doivent préparer contre Elon Musk aussi. Parce que c'est la guerre des riches, attention. Hein. Mais vous qui regardez la vidéo, vous allez dire, quel est mon avantage? Ton avantage, c'est que quoi? Et le Musk, il a parrainé, je peux dire, il a parrainé le Dogecoin. Il ne va pas s'arrêter là, ce que vous devez savoir. Il ne va pas s'arrêter là. Il va parrainer d'autres mémécoins. Coins. Et le Musk va parrainer, écoutez bien, d'autres mémécoins. Coins. Il va les parrainer, d'autres mémécoins. Coins. De façon directe ou indirecte, il va les parrainer. Et le Musk, ce n'est pas quand l'année passée, quand il a commencé à parler du Dogecoin, ce n'est pas à ce moment-là qu'il a acheté le Dogecoin, non. Et le Musk a des Dogecoins depuis longtemps.
et personne ne savait. C'est qu'elle a commencé par parler, que les gens commençaient par acheter. Et lui-là commençait par les vendre. Et il s'est fait beaucoup d'argent. Donc, son stratagème va continuer. D'abord, première chose que vous devez comprendre, c'est la guerre des riches. Il va diminuer l'influence de certaines personnes sur Twitter. Ça, il n'y a rien à faire. C'est eux qui l'appellent ses détracteurs. Et ces personnes même se connaissent. Ils se connaissent entre eux. Je crois connaître certains noms, mais je ne vais pas citer leur nom. Si vous connaissez certains noms, citez leur nom en description de la vidéo. D'abord, premier point. Deuxième point, Elon Musk va continuer de se faire de l'argent grâce à Twitter. Il va vraiment moderniser Twitter, comme il le dit, et se faire encore plus d'argent. Parce que le riche ne vient pas pour devenir pauvre. Il vient pour devenir encore plus riche. Parce qu'il sait que ce moteur de recherche lui donne assez d'argent. Il a acheté Twitter. Et il ne va pas s'arrêter là. Ce que vous devez comprendre aussi, Elon Musk, après avoir acquéri cette communauté, acquéri plusieurs cryptos, il va maintenant parrainer d'autres tokens, d'autres meme coins ou des projets sur eux, bien sûr, aussi après, grâce à cela. Et il va se faire plus d'influence, il va devenir encore plus puissant. Et je dis bien, ceux qui sont restés jusqu'à ce moment dans cette vidéo, vous allez comprendre que je suppose, je crois bien que Elon Musk va aussi acquérir des échangeurs crypto. Ne se pas étonner un jour si Elon Musk va dans les bureaux de Coinbase, qu'il est intéressé pour être un actionnaire de Coinbase ou acheter Coinbase. Plutôt, il va se concentrer sur les choses américaines. C'est un combat qui se lance. Parce que Elon Musk, il a du poids avec les banquiers. Donc, c'est vraiment c'est une guerre qui se fait. Et les plus influenceurs dans le système bancaire, ils vont soutenir Elon Musk. Et mais c'est bon, je dis bien, il y a le côté positif de ce qui se passe et le côté néfaste. C'est ce que je disais dans un de mes groupes tout à l'heure. Vous allez voir certaines personnes qui étaient riches en crypto qui vont devenir pauvres en crypto. Oui. Parce que comment les choses vont aller? Ce monsieur, il est venu pour se faire plus d'argent et faire de l'argent à ses amis, pas faire l'argent à ses détracteurs, comme il annonce déjà sur Twitter. Donc, voilà, je pense que j'ai fait une vidéo, comme vous l'avez demandé. Je suis crevé, excusez-moi. Mais j'ai fait, vous devez comprendre déjà que Elon Musk est venu pour s'imposer. Et il va, deuxième point, il va mettre un break sur les influenceurs qui sont sur Twitter. Il va ralentir ces personnes-là. À sa guise. Ensuite, il va faire quoi? Il va essayer de façon directe ou indirecte, de parler maintenant des mêmes coins. De façon directe ou indirecte, sur ces tweets. Après maintenant, ce que je suppose, ça c'est tout juste mes idées, il va chercher à acquérir certains échangeurs crypto. Et il est une personne, je dis mais une seule personne. En fait, ce n'est pas lui seul. C'est un groupe de personnes derrière Elon Musk. Attention. Nous voyons juste un seul visage, mais il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Écoutez bien ce que je dis. Elon Musk n'est pas seul. Je ne veux pas donner assez de détails dans cette vidéo. Il n'est pas seul à faire ce qu'il fait. Il n'est pas seul. C'est son visage qu'on voit. Mais en guise sous roche, il y a plusieurs personnes avec lui. Donc, alors, donnez j'aime à la vidéo, partagez-la. Et je suis sûr que, voilà, ceux qui auront regardé cette vidéo comprendront déjà le stratagème, ce qui se prépare. Voilà. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.